tout, prend un petit gâteau, un petit gâteau, il n'y a pas rien du tout. Ok? Mais maintenant, c'est l'excès qui dérange la bagaille. Et même si tout le monde qui fait ça bête, il n'y a pas de bagaille. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous qui fait sûr. Il n'y a pas de bagaille, mais en petite quantité, avec contrôle. Ok. Docteur, nous avons l'autre question que nous avons posée. Nous voyons que les gens qui fait diabète, par exemple, qui te mangent en pile. Si les gens te mangent en pile, même si les gens font, par exemple, nous disons pour prendre feuilles, pour prendre fruits, et si les gens font même, est-ce qu'ils ont toujours été mangés en pile? Je ne sais pas comment manger. Combien de fois qu'ils ont mangé par jour? Parce que les gens font, c'est de temps en temps qu'ils ont mangé. Est-ce que les gens qui sont diabétiques ont mangé comme ça? Très bien. On qui fait diabète, par exemple, le monde s'allume toujours qu'on ne peut pas manger. Pas manger, on peut manger d'un coup, mais toujours qu'on ne peut pas manger. Il est très bon, le monde. Pourquoi ça? Parce que pour ce sucre-là, il faut battre, il faut monter le dessin, monter le dessin. Maintenant, on montre qu'on mange en pile, pas qu'il y ait pile du riz, pas qu'il y ait pile de viande. Non. Lorsqu'on fait sucre, il faut réduire ce qu'on mange. Ça veut dire qu'on a appris, on a appris à survivre, à parler. Alors, on dit ça à tout. Solvi, c'est époux caramel que lui. Belle de Hanouéla, on peut vous aimer en fin d'édition. Et que Solvi, c'est époux lui. Donc, on m'a dit, c'est Marie lui. Donc, et avec eux, et il y a un petit peu qui fait Solvi. Solvi, c'est quoi ça, Marie, c'est sûr. Alors, oui, on va manger même ça encore. Ok? Même le fait sucre qu'on est, docteur Baou, il y a un diagnostic pour faire sucre. Même là, il faut régler le mode de vie. J'en mange, l'eau mange, tout ça est extrêmement important. Pour faire exercice physique, pour que vous diminuez le stress, surtout, vous avez une vie qui peut. Vous avez des têtes pour combattre la maladie. Même là, si vous mangez, vous essayez de ralentir et que vous faites le choix de manger. Mais je n'ai pas un cas de maladie, ou toujours par exemple, on s'est dit que vous ou toujours on s'est dit que ou bien tu as 14 jours dans mes mains, et surtout tu as 14 jours qui fait avec le blé, salté, exactement, qui n'est pas pure farine, pure sucre. Ou bien tu as 14 jours dans mes mains, chaque mois où on dit à un petit peu, il y a un petit pistachio tout. Pas en quantité exagérée. Exactement. Okay. Et pourtant, ce n'est pas prendre trop pour exagérer, mais on dit qu'il fait avec 14 jours, on dit pas dans mes mains. Ok? Et le bâtiment de l'auto, on me demande, est-ce que je n'ai qu'à prendre pile salade? Oui, si vous mangez un peu de salade, il faut rien du tout. Parce que le salade est même très bon. Et vous prenez un colis, vous prenez un laitue, vous mettez tout dans la nuit. Mais quand vous prenez ça, ça veut manger contre ou contre, il ne faut rien du tout. Mais évitez le calcium seulement. Ok. Parce que le calcium est un pire sucre, la paix sucre élevé. Oui, oui, oui. Okay. Évidemment, tu ouvres un câble d'année, mais là, sucre monté. Sucre monté, ok. Ok, so, on me dit faire sucre, et avec tout, je conseille que lorsque vous sentez que vous avez pipi, vous avez pipi, elle passe sucre même là. Oui, avec nous, conseiller tout le monde, il y a quand vous comptez glucomètre, glucomètre, vous gardez à prendre sucre, vous piquez, pas piquez dans la partie là. Vous pouvez vous enlever de ce côté, ok? Ou parce que normalement, pour un niveau sucré, pas quitter ce qu'on a monté, et puis bien fini, on dit waouh, et puis on mange, on prend cap. Ok? On va faire attention. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça que nous avons gagné pour vous dans la série ça. Nous espérons que le conseil que le docteur Mbaye a aidé nous tous. Pas encore hésiter, si nous avons des questions, nous pouvons poser des questions, écrire ou du moins n'importe l'autre façon que vous êtes capable de communiquer avec nous, faites ça parce que nous sommes là pour que nous puissions aider ou nous faire des rapports à la santé. Nous care de vous, nous care de santé, nous espérons que vous vivez en bonne santé, n'importe ça que vous êtes capable de faire qui vous aide à vivre en bonne santé, faites ça. Et comme si vous êtes un monde qui regarde nous pour la première fois, allez toujours regarder ou après notre vidéo qui est passé ou après ça que nous t'ai parlé déjà, ça qui t'est dit. Et information ça, il y a bon pour vous, on a aidé, on a vu, on a aidé tête tout. Et ça a aidé nous vivre en une santé qui est meilleure. Merci parce que nous t'avons suivi, nous partager et puis appliquer. Pas oublier, santé c'est richesse et prévention c'est sagesse. Santé c'est richesse, prévention c'est sagesse. Vive en bonne santé. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir, à bientôt.